Avec une pomme, je veux étonner Paris. Ces mots de Paul Cézanne nous sont rapportés par Gustave Geffroy, un des grands critiques contemporains du peintre d'Aix, dont voici le portrait brossé par Cézanne en 1895. Il fut le premier possesseur de cette somptueuse nature morte, à une époque où Cézanne demeurait mal compris d'un public encore rebelle aux récentes conquêtes de l'impressionnisme et toujours friand de grandes compositions académiques. Étonner Paris avec une pomme. Dans la bouche d'un inconnu, de tels propos feraient sourire. Puérile et dérisoire ambition d'un provincial, d'un provençal en l'occurrence, voulant monter à l'assaut de la capitale avec une pomme pour tout bagage. Mûries au tournant du siècle dernier, les pommes de Cézanne constituent une des clés essentielles de la peinture moderne. Tout au long de sa carrière, en peignant inlassablement ses fruits, ses légumes et ses simples objets de la vie quotidienne, Cézanne érige la nature morte, genre longtemps mineur, au même rang que ses compositions de baigneuse, ou ses vues immortelles de la montagne Sainte-Victoire, à l'ombre de laquelle il a vécu son enfance. Avec Cézanne, plus de hiérarchie entre les sujets des tableaux. Seul compte l'acte de peindre. Tout en étant révolutionnaire dans sa conception du genre particulier de la nature morte, Cézanne s'inscrit néanmoins dans la grande tradition de la peinture française, qui vit ce thème acquérir ses lettres de noblesse, grâce à Louise Moyon notamment, au XVIIe siècle, à une époque où s'impose la peinture de la réalité. Mais au-delà de l'attention portée à la réalité et à son rendu scrupuleux par une technique parfaite, la nature morte ouvre la porte au rêve et à la méditation en se prêtant à différentes lectures symboliques. La nature morte à l'échiquier, de Lubin Bogin, est aussi une allégorie des cinq sens. Chez Renard de Saint-André, le crâne affirme la présence inéluctable de la mort. Les fleurs se faneront et tomberont en poussière, tandis que le sablier s'écoule inexorablement. Par la représentation d'objets quotidiens souvent périssables, les peintres de nature morte expriment le caractère fugace du temps et la vanité des choses humaines. La fascination de l'objet va jusqu'au trompe-l'œil. Le spectateur se prend au piège de ces bois de serre de Jean-Jacques Bachelier, peint en 1767. Jean-Baptiste Monnoyer, décorateur de Versailles,
nous montre, par ses grandes compositions, toute l'étendue de la gamme de la nature morte, depuis l'approche confidentielle et intérieure de la réalité jusqu'à sa fastueuse projection décorative. Le XVIIIe siècle exalte le plaisir de peindre. Maître du genre, Chardin excelle à rendre sensible la poésie secrète et l'étrange vie intérieure des objets ordinaires, comme dans ses débris d'un déjeuner de 1763. Mais avec Cézanne, la nature morte devient autre chose. Il fait éclater les règles d'un genre pictural aux conventions bien définies, aux fonctions bien établies. Avec lui, la nature morte devient un tableau à part entière, dont les acteurs ont pris la forme des objets. Ainsi s'affirme la liberté de l'artiste, dont le sujet est avant tout le tableau lui-même, redéfinissant par là les règles traditionnelles de la peinture. Cézanne construit ses natures mortes, tout comme ses paysages, comme de véritables architectures. D'une toile à l'autre, il dispose et redispose les mêmes objets sur un coin de table, sur fond de draperie qui est, à lui seul, tout un paysage. Les objets se plient à l'ordre que leur impose l'artiste. Nous sommes ici très loin du naturel volontairement négligé, des natures mortes impressionnistes, comme par exemple les poires et raisins que Monet avait peints quelque 20 ans auparavant. Dans ses compositions des années 1895-1900, et tout particulièrement dans « Pommes et oranges », Cézanne affirme une conception de l'espace radicalement nouvelle qui l'éloigne de ses natures mortes antérieures, comme la nature morte à la bouilloire, peinte 30 ans auparavant, en 1869, et où l'espace était clairement défini par un arrangement d'objets sagement alignés selon les règles de la perspective traditionnelle. Celle que suivait encore Manet avec ses fruits sur une table de 1864. Ici, l'espace est éclaté en une multitude de plans qui ne convergent pas vers un unique point de fuite. Le peintre adopte simultanément plusieurs points de vue. L'assiette semble vue d'en haut, le compotier d'en bas. Il en résulte une série de déformations imposées aux objets, le compotier, le pichet, qui préfigure la démarche des cubistes quelques années plus tard. Ce qui fera dire à Robert Delaunay dans ses carnets « Le compotier de Cézanne, déjà touché par lui avec force, est définitivement brisé par nous, les premiers cubistes. » Cézanne, souverain de l'espace, plie les objets à des structures géométriques simples, contrairement à Manet. Ou Courbet. Ou Monet. Je veux traiter la nature par le cylindre, la sphère et le cône, le tout mis en perspective. Comme il s'en expliquera plus tard au jeune peintre Émile Bernard,
dans une lettre restée célèbre. De multiples aquarelles sont au peintre l'équivalent des gammes pour un musicien. Elles mettent particulièrement en lumière la démarche de Cézanne et sa technique propre. Ici, il empile ses pommes selon une structure pyramidale, laissant au blanc du papier qui apparaît en réserve la fonction de rendre les volumes qu'il cerne de traits discontinus. Lorsque je commence, je cherche toujours à peindre en pleine pâte, comme Monet, en donnant la forme avec le pinceau. Cézanne peint ses pommes comme ses portraits, en juxtaposant savamment les touches colorées. Une longue réflexion précède la position de chaque coup de pinceau sur la toile, le moindre d'entre eux ayant une fonction bien précise pour rendre le volume de l'objet et son harmonie colorée dans l'espace. Pour qui ne l'a pas vu peindre, il est difficile d'imaginer à quel point, certains jours, son travail était lent et pénible. Rapporte Ambroise Vollard, commentant les longues séances de pause qu'occasionna son portrait. Soucieux d'être fidèle à ce qu'il appelait la vérité de la sensation, Cézanne nous en livre la quintessence. Dans ces natures mortes, le temps semble suspendu. Voici réaliser son ambition de jeunesse, faire de l'impressionnisme quelque chose de durable comme l'art des musées. Par ses savantes combinaisons spatiales et volumétriques, il dépasse les recherches des impressionnistes qui visait à inscrire l'objet dans la fuite continue du temps par le rendu des ombres et des lumières. Voici l'univers de Cézanne, ses légendes et ses mythologies. Une table, un tapis, un crâne, quelques bouteilles. Longtemps incompris, il exerçait cependant à la fin de sa vie une véritable fascination sur les artistes de la génération nouvelle. Dès 1900, l'hommage à Cézanne de Maurice Denis réunit autour d'une nature morte du peintre et sous le patronage d'Odilon Redon, tout ce qui comptait au sein du mouvement Naby, Bonnard, Vuillard, Roussel. Cézanne disparue, les grands acteurs de l'art moderne, fauve, cubiste ou abstrait, ne s'y sont pas trompés, qui virent en Cézanne le libérateur des formes et des couleurs.